Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ce Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Donc, nous allons un petit peu avancer dans cette aventure, hein. Il me semble qu'il fallait aller dans le château et maintenant, nous avons une épée. Donc, on a beaucoup plus de facilité à récupérer toutes les choses là. Hop là, hop là, hop là, on récupère même des cœurs et tout ça. Allez, dégage-toi. Boum. Ok, bon, ça, on ne sait pas les frapper, c'est normal. Et nous avons des petits monstres qui apparaissent là. Allez, viens ici, toi. Est-ce qu'ils vont nous donner des choses? Je ne sais pas. Hop, hop, boum, voilà. Ok. Il me semble que je devais aller au château. Et le château est donc par là. Ben oui, il faut aller voir la princesse. Nous allons donc aller voir la princesse. Ok. Les portes sont solidement verrouillées. Ah, ok. Salut toi. Hey toi. On ne passe pas. Bah si, moi je veux passer. L'accès est interdit aux gens du peuple. Mais je suis pas n'importe qui, moi. Quoi, le capitaine de la garde a été transformé en portrait? Hein, la sœur du sanctuaire aussi? Ouh, bah ouais. C'est pour ça que je dois aller informer au plus vite la princesse. Ouah. Je comprends que tu aies très envie de rencontrer la princesse, mais c'est pas comme ça que tu y arriveras. Quitte à mentir, essaye au moins d'inventer une histoire plus crédible. Qu'est-ce donc toute cette agitation? Dame Impa! Oh, Dame Impa, elle est dans le jeu aussi. Bah oui, forcément. Allez, allez, j'ai des choses à dire à la princesse. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, parce que le sanctuaire a été transformé en tableau, dis-tu? Ben oui, étrange. Cela me fait penser au soldat peint sur l'enceinte du château. Y aurait-il un rapport? Ben oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. À mon avis, c'est le même qui a fait tout ça. Comment? Vous allez l'écouter? Ben oui, bien sûr qu'elle va m'écouter. C'est clair, ça. Bon, allez, tu peux passer. Ouais, j'y compte bien. Évidemment, tu vas me laisser passer. Et je vais pas rester comme ça, en dehors du château. Je suis Link quand même. Bon. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends ici. Ouais, t'inquiète. J'attends ici. Bon. Quand on me dit ça, hein, c'est sûr que. Toi. Où tu vas, toi? On t'a dit d'attendre ici. Ah, je peux pas passer. Oh. Pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. Qu'est-ce que c'est ça? Des petits tableaux. Chapitre 1, la Triforce d'or. Quand... Ok. On raconte qu'elle exauce les vœux de la personne qui la touche. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Moi, je voudrais bien cet objet-là. Je voudrais bien la Triforce. Alors. Chapitre 2, le sceau de la Triforce. La famille royale, affligée de ces conflits perpétuels, rassemblée. Force de terre sacrée, ouais. D'accord, ok, bon. Trêve de blabla, il faut lire tout ça? Non, mais oh. C'est des liens qui ne connaissent rien à l'histoire. Regarde ces tableaux et apprends, mon garçon. Suis les symboles au sol pour découvrir les tableaux dans leur. Bon, ouais, j'avais déjà compris. Hein. Tu sais, les descendants des sept sages représentés sur cette toile vivent toujours en Hyrule. Et pour ne rien te cacher, Dame Impa descend elle-même d'un sage. Ah bon? Allez. Ça, c'est fort. Jeune homme, la princesse est prête à te recevoir. Par ici, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Tout de suite, madame. Tout de suite. Ah, les gardes sont partis. Allez. Ciao! Ciao, ciao. Allez, princesse, princesse, j'ai des choses à vous raconter. Ah, voilà notre belle princesse Zelda. Oh, quelle est mimi! Quelle est mignonne! Bon, allez, bienvenue au château d'Hyrule. Oh, vous êtes. Veuillez pardonner mon impatience, mais j'aimerais connaître votre nom. Ben, moi, c'est Link, bien sûr. Mais c'est Link, c'est ça? Ces derniers temps, je rêve d'une personne qui vous ressemble, luttant contre un être d'une extrême noirceur. Vous faites le même rêve? Comme cela est étrange, messire Link. C'est peut-être le destin qui vous a amené ici. Bah oui, bien sûr, je vous en prie, racontez-moi ce qui s'est passé au sanctuaire. Oh, encore?
Encore tout raconter. Ah oui, la sœur du sanctuaire a été transformée en tableau, ainsi que le capitaine de la garde. Ouh, mon Dieu! J'ai jamais vu un pressentiment. Ben oui, tu fais bien. Je ressens un pouvoir maléfique très puissant. Il me parle? Oui, madame. J'ai le sentiment qu'un événement terrible va se produire. Princesse? Peut-être serait-il bon de demander l'aide du maître. Je ne sais pas comment, mais c'est notre doyen. Il se peut qu'il sache quelque chose. Bien sûr, en effet. D'accord. Merci, Irling. Messire, ça sera là. Vie au village Cocorico. Oh, le village Cocorico. On connaît ça, hein? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Je suis sûr qu'il pourra vous être de grand secours. Ok. Ok, nous avons une petite croix sur la carte qui est apparue, donc il va falloir aller là-bas à la muette qui m'a été transmise. J'ai trouvé la personne à qui je dois la remettre. Ah, à moi? Oh, c'est Link. Merci, 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 princesse. Votre famille veille sur cet objet depuis des générations. Oui, j'en suis sûr. Cette amulette ne m'a jamais quitté. Mais j'attendais de trouver la personne. Ouais, c'est moi. Évidemment, c'est moi. Vas-y, file-moi cette amulette, s'il te plaît. Allez, hop. Voilà, on embarque ça. Qu'est-ce que cette amulette va faire? Vous avez obtenu une amulette. La pierre conserve encore la chaleur de la princesse Zelda. Oh, comme c'est mignon. J'aimerais que vous racontiez à Messire ça sera là. Un petit jeu de mots, hein, ça sera là. Ouais, ce que vous avez vu au sanctuaire. Encore une fois, raconter cette histoire. Bon, d'accord. J'imagine que vous... Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je vais aller lui raconter ça. Pas de soucis. Allez, salut, ciao, on va au village Cocorico. Alors, on sort, nous sortons. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus hein, pour ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode qui est super, super sympathique. J'adore ce petit jeu qui sort, qui est complètement différent hein, de Zelda Breath of the Wild. Par qui j'ai commencé d'ailleurs. Hé, dégage-toi, sale oiseau. Ouais, non. Moi, mon premier Zelda a été Zelda Breath of the Wild. Et rien à voir, hein. Mais j'adore ce genre de petit jeu là. Je veux pas dire en 2D, mais c'est presque comme de la 2D. Un petit peu en 3D, comme ça, vu du dessus. C'est assez sympathique, je trouve. Allez, dégage! Hop là! Et j'aimerais trouver un maximum de rubis. Wow! Et des petits cœurs là, ça serait cool. Est-ce que comme dans Zelda Breath of the Wild, on peut récupérer des cœurs? Je suppose que oui, hein. En tout cas, des rubis. J'arrive pas à le soulever. Bon, le village Cocorico, il est par où? Là, je fais un peu de jardinage. Oh! C'est quoi ça? C'est un truc de cœur, ça. Intéressant. Intéressant. Bon. Je peux aller par où? Oh, là, il y a plein de choses. Je suis sûr que je vais trouver des rubis. Attention, attention. Des rubis? Non, des cœurs. Mais je m'en fous des cœurs. J'ai pas besoin de cœurs. J'ai full cœur, là. Ah, la petite musique qui va bien. Ah, t'es qui, toi? Tiens, Link, où est-ce que tu vas avec cette épée? Ben, c'est mon épée. Est-ce que tu vas par hasard, tu vas voir le vieil homme qui est... Ok, ouais. Street Pass. Non, j'ai pas envie de Street Pass. Mais... Ok, donc il faut une épée pour enseigner le truc du Street Pass. Bon, j'ai pas besoin de ça. Hein. Hop, 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 hop. Ah, un rubis, ça c'est cool, j'aime ça. J'aime ça. En fait, je suis pas du tout là où je devrais être. Hein. Ah, petite girouette, salut toi. Bon, on va sauvegarder quand même. Hein. Une nouvelle girouette vient d'être ajoutée sur la carte. Merci. Veuillez. Ouais, je veux sauvegarder.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. Oh, des poules. Dégage la poule. Hop, un petit cœur. Complètement inutile. C'est pas dans cette maison-ci. Non, c'est pas dans cette maison-ci. Mais bon, je vais quand même rentrer, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant ici, non? Salut! Bonjour Link! Et il y a tout le monde qui me connaît ici, Link. J'espère qu'on aura encore une belle journée aujourd'hui. Ouais, t'inquiète. Allez, salut! T'as rien à dire. Voilà, ça c'est fait. Bon, oh! Le petit buisson qui réapparaît là tout de suite. Ça va pas? Salut! Tiens, qu'est-ce que tu fais rôder dans le coin? Tu es venu voir Maître Saralan? Ouais. Il doit toujours être chez lui, je pense. Ah oh bah c'est juste à côté. On est juste à côté. Il est très très vu et très important. Ok, ça c'est bon. Marrant, je peux prendre les poules et les balancer. Je sais pas à quoi ça sert. Hein, mais... je me souviens dans le village Cocorico, il y avait une quête comme ça dans Zelda Breath of the Wild, récupérer toutes les poules du vieux là. Il me semble 10 poules. C'était assez cool. T'es en train de dormir, petit? Ouais, petit vieux, il est en train de dormir. Bon. Sœur Céleste a été enlevée après avoir changé. A été changée en tableau. Oh là 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 là. Désolé, il est un peu tard là pendant que je tourne la vidéo, mais. Et j'imagine que je connais la légende de. Que tu connais la légende du héros et des sept sages. Oui, bien sûr que je connais. Sœur Céleste est la descendance d'une des sept sages. D'un des sept sages, oh là 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 là. Qui autrefois enferma Ganon. D'accord. Mais cet homme qui se fait appeler Yuga, s'il s'en prend aux sages, il ne tout de même pas ressuscité Ganon. Oh là 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 là. Non, il faut pas ressusciter Ganon quand même. Bon. Mais il est lui aussi le descendant d'un de sept sages. D'accord. Bon, la situation est critique. Je suis trop vieux. Je ne pourrai pas le rattraper à temps. Link, veux-tu bien aller au plus vite prévenir Asphar? J'ai noté l'emplacement du palais de l'Est sur la carte. Ok, donc il va falloir aller là-bas. Tu peux zoomer avec plus et zoomer avec moins. Mais j'imagine que tu dois déjà le savoir. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je compte sur toi. D'accord! J'y cours, j'y cours, j'y cours. T'inquiète, t'inquiète. On se fait ça. Bon. Donc nous allons... aller là-bas de l'autre côté. Mais avant ça, hop. On ne sait jamais. Je récupère des petites choses, hein. Allez, dégage toi. Dégage aussi, voilà. Allez, hop là. Hop là, un petit rubis, un petit cœur. Hop, ah. Alors, combien de rubis on peut se faire comme ça? Il y a 4 chiffres, donc 9999 rubis. Je pense que c'est pas mal, hein. Ah, un petit cœur, voilà. Bon, on va aller par là, hein. Donc, il faut aller complètement de l'autre côté. Allez, encore un rubis. Voilà. On se débarrasse des petits monstres. Et encore un. Hop. Hop. Voilà. Ils sont pas très difficiles, ceux-là. Où est-ce que je suis, là? On va aller par là, hein. Nous allons donc aller par là. Oh, un coffre. Comment je fais ça? Comment je fais pour aller à mon coffre là? Ah, je peux pas aller à ce coffre là? D'accord. Bon, ben, j'y reviendrai plus tard. Hein. Ah! Les herbes qui réapparaissent comme ça, elles poussent très vite, hein, les herbes. Hop là, allez, hop. Tiens, tu dégages, hop, tu dégages. Un petit cœur, et là, nous sommes où, là? Oh, une petite girouette.
Allez, on va toujours faire une petite sauvegarde. Ça peut toujours servir. Bon, alors, sauvegarde terminée. Ok, hop, 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 voilà. Hey, hey oh, mon Ruby. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Mon Ruby, oh, il a disparu. Mon Ruby a disparu. Et oh, sale oiseau de malheur. Ah, voilà. Ah, voilà, ok. Ça, je savais que je pouvais pousser ça. Ouais, cool. Ah, un petit rubis. Eh, viens ici, toi. Voilà. Ah, voilà, un rubis. Ok, ok, ça c'est fait. Ah, on retrouve notre ami là, le petit ogre. Hé hey, je sais même pas récupérer le cœur. Oh, j'ai coupé la pancarte. Oh. Bon, c'est par là qu'il faut aller. Hop là, hop là. Ah, un rubis. Ah, ça va vite, hein. Ça va très très vite les rubis. 121 rubis. En même temps, je sais pas trop à quoi ils vont servir, ces petits rubis. Là, il n'y a rien. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oula ! Oula, oula ! C'est pas cool, ça. Je veux un cœur. J'ai besoin d'un cœur. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Je suis obligé de passer par là ? Ah, non. A priori, non. Oh! Mais dis donc. Mais dis donc, dis donc, dis donc. Comment faire? Hop là. Bah, tout simplement, je passe comme ça. Ok. Ok. Ah! Dégage. Voilà. J'en suis où? J'en suis où? J'en suis où? Alors, oh! Allez! Voilà! Ça, on en est débarrassé, c'est bien. Et toi, viens ici. Ah, je l'ai touché. Allez, bah, j'étais en train de le toucher là, ça va pas ça. Bon, regardons la carte. Ouais, il faut pas que j'aille par là, il faut que j'aille par là. Est-ce que j'ai pas un chemin là? Non, j'ai pas de chemin. Oh, oh, j'ai pas de chemin par là. Par là alors. Nous allons donc aller par là. Hop, ça c'est fait. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, 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 d'accord. Mais inventaire. Mais j'ai rien. Il me faut un arc. Oh, vilain toi. Tu n'es pas beau. Tu n'es pas beau. Oh, il y a plein de rubis rouges là-bas au-dessus. Oh, oh, c'est quoi ça? Des statues vivantes. Allez, viens ici. Viens ici. Voilà. Oh, un petit rubis bleu. Bon. Ben, a priori, là... Il va me falloir quelque chose. Ah! Il m'a tiré un boulet de canon là. Salopard. Viens ici. Non! Oh! Une petite grotte.
Cool. Ah, je croyais qu'il était mort. Et quoi, je peux pas y aller? C'est quoi ça? Ah non. Ah non, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Bon, d'accord. Mon avis, il doit y avoir un truc, mais je ne sais pas trop quoi. Oh, il a repopé là. C'est bon. Je vais aller voir mon ami là au début. Hop. Il est où? Il est où? Il est où? C'est par où? C'est par là, je pense. Ah. Hop là, allez, dégage. 208. C'est quoi ça? Entrée interdite. Bon non. L'entrée est bloquée, n'essayez pas de la dégager. Bon, ok. Ok. Alors. Ça, c'est 30 rubis. Ça peut servir parfois. Je sais pas. Pas besoin. Non. Ah, par contre, un bouclier là. Achète-moi un truc. Ça. Ça, je le veux. Ça, c'est 50 rubis. Ouais, d'accord. J'achète. Il faut le brandir avec R. Ok. Ça va. Cool. Alors, il est dans. Bah, et quoi? Ça, c'est 50 rubis. Bah oui, je t'ai dit que je l'achetais. On m'a dit 2, c'est trop. Mais moi, j'ai ça. Ok, salut. Ah ouais, voilà. En fait, je l'avais déjà. Je l'avais déjà. Je croyais que je l'avais dans l'inventaire et que je devais le placer quelque part. Mais non. Mais non, mais non. Ok, ça c'est fait. Toi, tu dégages. Ah, bah par là, je peux pas aller, tiens. Par là, je ne peux pas aller. Bon, on va remonter. Oh, oh. C'est qui ça? T'es qui toi? Je suis un homme du lac. Il est important de savoir s'échauffer. Bah ouais, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Tu veux t'échauffer toi aussi? Non. Non, non, non. C'est ce bâtiment qui t'intéresse? Quel bâtiment? Comment? Je comprends pas de quoi je parle. Non, pas du tout. Quel petit comique. Il n'y a qu'un seul bâtiment qu'on peut voir ici avec. Ok. Ah ouais, il est là-bas. D'accord. Alors, tu le vois, ce bâtiment? Celui avec les moulins. Oui, je le vois. Je le vois. Ce bâtiment là-bas n'est pas accessible depuis la terre ferme. Ah ouais, bah j'avais compris, hein, vu tout l'eau qu'il y a tout autour. Ah, c'est pour ça que tu t'entraînes. D'accord. Mais j'ai préservé et surtout, j'ai persévéré et surtout, je me suis bien échauffé. Et maintenant, personne ne m'arrive à la cheville. Question nage. Ah, ah, ah. Ok, bon, salut, allez. J'en ai rien à faire de. Allez, viens ici! Ah! Sale oiseau! Un petit rubis. Je vais casser toutes ces herbes là. Ah! J'ai bien fait de venir ici. Par là, je ne peux pas aller, d'accord. On va retourner par là. Ah ben voilà! Voilà! Un petit cœur, hop. Voilà. Et notre ami, là, c'est un marchand, il me semble. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses? Bienvenue chez toi, jeune héros. Oui, salut. Merci de m'accueillir chez moi. Tu as tellement insisté pour que je reste. Ouais, c'est ça. Il s'est passé quelque chose? Ben oui, clairement. Blablabla. Comment? Le palais de l'Est? Ah! Tu as lu ma pancarte. En fait, je suis passé par là-bas, à la recherche d'un emplacement pour ma boutique. Ah bon? Mais je me suis dit que ce n'était pas bon pour les affaires de m'installer dans un endroit infesté de monstres. Ah bah ouais, ça c'est clair.
T'auras personne. Personne. Tiens, j'y pense. Il n'y avait pas des colonnes en pierre près de l'entrée avec des symboles au sommet. Si, tout à fait. Si c'est bien ce qu'il me semblait, tu te rappelles de ce qu'il représentait? Ouais, c'était ça, hein. C'était ça. C'est ça, ouais. Ça représente un arc à flèche. Ça te fait pas penser à un truc qui ressemblerait à ça? L'arc de location. Un arc de location? Carrément! Mais quoi? Je vais devoir payer une location? En temps normal, je ne laisserai pas l'utiliser gratuitement, mais la situation est grave, alors prends-le! Mais attention, hein. S'il arrive un truc, j'ai bien l'intention de le récupérer. T'inquiète. Alors, comment je peux utiliser l'arc? Ah, nous avons une petite jauge d'endurance. Enfin, d'endurance ou. Je sais pas trop. Voici la jauge d'endurance. Bah oui, voilà. Il me le dit en plus. Le niveau de la jauge baisse à chaque fois que vous utilisez un objet. D'accord. Quand la jauge est vide, les objets sont inutilisables pendant un court moment. La jauge se remplit toute seule. Apprenez à utiliser la jauge d'endurance avec l'arc qu'on vient de vous prêter. Voulez-vous relire les instructions? Enfin, les explications? Non. Merci. Alors, hop, hop, hop. Alors, inventaire. Hop là, je mets sur Y. Ok. Fermé, voilà. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Va-t'en, l'abeille. Bon, ben, on va faire une petite sauvegarde, hein. C'est toujours utile de sauvegarder en chemin. Voilà. Bon, écoutez, on va vite se rendre là-bas, au Palais de l'Est. Et puis, ça sera la fin de ce petit let's play aujourd'hui. Et on fera l'épisode 3 bientôt. Hein. Hop là. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop, tu ne m'auras pas, toi. Voilà, toi non plus. Un petit rubis. Voilà. Et. Allez, allez, viens ici. Voilà. Ok. C'est donc ça. Hop. Hop. Ah ah. Alors, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est un petit donjon. Il n'y aurait pas un petit endroit pour sauvegarder ici? Non, non, non. Allez, s'il vous plaît. Par où je vais aller? Par où je vais aller? Il n'y aurait pas une petite girouette quelque part, non? Oh, un coffre là-dessus. D'accord. Non, par ici, il n'y a rien. Là. Nous avons. Non, par là j'ai été. Ok, on ne sait pas aller, hein. On ne sait pas aller. Ah, si, je peux monter par là. Voilà, facile. Trois fois dedans. Allez, hop là. Ah, lui, il ne bouge pas. Oh, un coffre. Cool. Un rubis. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah, là, je sais rien faire. Ok. Bon, eh bien écoutez, je vais. Ah, mais je vais aller par là. Ah. Ah. Voilà, on spamme le petit bouton d'attaque et c'est facile. Oh!
Allez, venez, 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 venez. Voilà. Ça, c'est fait. Moi, j'aimerais bien une petite girouette. Hein. J'aimerais bien... Je peux pas aller par là? Ah non, je peux pas. Ça serait bien une petite girouette pour sauvegarder ici. Ah, ben voilà, il y en a une. Qui est là? C'est moi. Ah, mais ce n'est que l'apprenti de la forge. Ah, tu pourrais éviter de me surprendre comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, écoute, c'est horrible ce qui s'est passé au sanctuaire. Bah oui. Tu es venu pour me ramener? Ah, ce Yuga, il m'intrigue. Maître Sarala s'inquiète pour rien. Il me sous-estime. Je suis quand même le descendant d'un des sept sages. En plus, rien ne pourra m'arriver tant que j'aurai cette baguette des sables. Je rentrerai dès que j'aurai découvert qui il est. Allez, à plus tard. Non, mais pour qui il se prend, lui? Franchement, je viens l'aider, mais... Et lui, il s'en va. Il s'en va, comme ça. Bon, bah écoute, si tu veux, hein, si tu veux te faire mettre en tableau, bah c'est ton problème, gars. Allez, sauvegarde. En cours. Voilà. Sauvegarde terminée. Ok, bah voilà. C'est donc la fin de ce deuxième épisode. C'est donc la fin de ce deuxième épisode qui était bien sympathique, hein, on a avancé un petit peu, donc je vais pas faire des épisodes trop longs, hein. Je pensais faire une vingtaine de minutes, bah là ça fait une demi-heure, bah ouais ça fait déjà une demi-heure quand même. J'espère que vous aurez apprécié ce deuxième épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour cette aventure. Ça me ferait super plaisir, super, super, super plaisir. Et si vous voulez partager la vidéo, eh bien, ça serait encore mieux aussi. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve demain en live ou en vidéo. Je ne sais pas encore, en live certainement. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.